anglaise, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais est en visite de travail de 72 heures à Kinshasa. Le général Wilson Mbassou Massoudi est venu évaluer avec son homologue congolais, le lieutenant-général Tshioué Songesa Christian, les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes des forces démocratiques alliées, ADEF. À cet effet, une séance de travail a été organisée ce lundi 3 avril 2023 à l'état-major général des FARDC au camp lieutenant-colonel Kokolo. Au terme de cette séance de travail, les deux délégations FARDC-UPDF ont été reçues par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Aucune déclaration n'a été faite à la fin de ces deux rencontres. Ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a de jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023, à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par le M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tianzhou. Finalement, ces deux jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi ils vont vous le dire? Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire que, au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas concrètement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Masisi, recrutés à Rusayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kichanga où ils ont été déployés selon leurs propres témoignages. M23 na tokamata ina tubeba kumbe naye ni politique yake tu iko sali kwa chakula makuta yete na kufika kula katutoroka katuacha kula kati yenyewe tumeangalia na sie vinatushinda na sie tumewatoroka ni tumeshafika Kichanga njoo kwa sasa kama tuko ku gouvernement. Njo tunataka guvernema, ayo peke njo yamue kama ni kutuua, kama watatufanyizia ya wanataka, lakini ni hatuko tena kuvale baadui, bebalikuwa walishaka tuvele. Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au Nord qui vous prévient le jeune, compte à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente
de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyaliste. La police nationale congolaise en Ituri plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bounia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ce service de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars par le commissaire provincial de la PNC Ituri, le général Sengé Loaseguin, en présence de la population. La ville de Bounia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu basha gaiba defo wana tobola mire wana iba bichi yote kunyumba. Mimi nafurahi kabisa na kazi polisi nafanya. Nafurahi kuna moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alunga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FARDC pour la sécurisation de la population iturienne et ses biens. Il appelle la population de l'Ituri à collaborer davantage avec le service de sécurité et défense pour consolider les acquis de la paix. C'est pour dire, Batroyo, soki boyebi bango, même batoya groupes armés boyebi bango, tanga ba komuna bango, et pas na la police, ton la force de sécurité, ba zwa bango, ba longula bango, lobi e koye la yo, oyo ba yibi bango awa, baza ba turoko la yo, lobi ba koyibi la yo, yo mutubumba ka batomi yibi, na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notant que plusieurs biens récupérés du mort de ces malfrats, dont 10 motos, plusieurs panneaux solaires et tant d'autres, seront restitués à leurs propriétaires. Le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni salue l'engagement de toute personne qui œuvre pour le retour définitif de la paix dans cette province secouée par les violences armées depuis 2017. Déclaration faite ce samedi à son arrivée à Bounia. Pour ces grands notables, la population iturienne a tant souffert de la guerre avec des effets collatéraux visibles, d'où il est temps de voir l'avenir de cette province. Profiter de cette occasion pour apporter mes encouragements à tous ceux qui œuvrent pour le rétablissement de la paix, de la sécurité dans notre province. Assurer l'accompagnement de toutes ces actions-là, que ce soit au niveau des autorités provinciales, les ecclésiastiques, afin que nous retrouvions la paix et la sécurité, comme le prône le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut que les groupes armés cessent de tuer, les groupes armés cessent de détruire. À quelques heures de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, l'ancien deuxième vice-président du Sénat plaide auprès de la CENI pour une seconde prolongation de ce processus. C'est une occasion pour moi de joindre ma voix à tout cela et examiner positivement toutes ces demandes d'accorder encore un mois aux opérateurs de la CENI en province ici comme au Nord-Kivu pour que les Congolais dans cette partie du pays puisse s'enrôler. Lors de son séjour en Ituri, ses représentants du peuple prévoient dans son agenda une rencontre avec les différents groupes sociaux de l'Ituri. L'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays trouve un écho favorable en territoire de Mombasa. Ces groupes armés Maïmaï décident de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours menée par la coordination du pays de DRCS. Nous allons nous orienter dans les processus une paix durable à la République démocratique du Congo.
Donnez notre contribution à l'œuvre de construction de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le FDDRCR. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mombasa. Nous sommes remplis de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier coup. L'accueil qu'a réservé les autorités et ces groupes, nous sommes rassurés que ces groupes pourront encore faire une bonne sensibilisation auprès des autres qu'ils connaissent. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS en Ituri, Willy Abibou Sebo Maïsé, encourage d'autres groupes armés à emboîter le pas. Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaire de celle-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que s'affausser davantage. Signalons que la reddition de ces Maïmaï intervient après la remise des armes d'un groupe d'autodéfense devant le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant lors de son séjour en Ituri. Ceci s'inscrit dans l'approche non militaire privilégiée par le gouverneur Luboyanka Shomajoni dans la résolution de conflits. Base militaire de Kitona. Alors présentement, tout dans la piscine, il y a Baki. Piscine, il y a l'air abandonné. Alors, on a passage, il y a chef de maison militaire, le l'état général Lutumba. À l'aka qui biso que, à cause de sa Baki viable, il y a tout le monde à la réalisation. Oui, au moins, piscine, il y a la dimension olympique. Ok. Donc, on est pour être comme ça, la même. Oui, nage, alors, il y a natation. Ok. Awa. Et ça pour bisoto apprendre pour nager. Si mon zoom on a une messe à base militaire de tout on a messe des babing on messe aux eaux. C'est-à-dire messe des officiers et sous-officiers. Okay. Alors il y a un peu de subir réflexion. Toujours sous la supervision à l'état général, chef de maison militaire, il y a un chef de l'État. Donc alors bah, qui peut où la qui n'a qu'à Kitona. A colou la Kitona, mais moi je suis militaire à Kitona. Il y a maintenant la vie à Kitona. Il y a trois fois, et ça pour l'ancien militaire, là je dois être clair. Ils ont pas recruté. Ce sont les recrues qui mangent trois fois. Le matin, ils prennent du thé, midi, balai, n'a pas quoi balai. Donc, déjeuner, dîner, souper. En commandant 33e région militaire. Messieurs les commandants 33e région militaire, commandant en place, mon général, les unités de la garnison de Bukavu sont en jeu pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la grande parade mixte de ce jour. Commandant troupe, major, Pila, Malango, Adolphe. Avant mon général. Madame Boka. Notre devise. Notre devise. Notre devise. Parade garnison. Les Aliko regroupaient presque toutes les unités de la garnison de Bukavu. La première liboso est allée discipline. Quand il y a les Ali Makambo est allée trahison. Makambo est allée vigilance. Tous à la très vigilant à l'ennemi en date. Bon, moi, je
Service à renseignement, ils allaient. Boki Mambango Websaye. Osana numéro Nanga Benga. Websanga. Osana numéro Durance. Osana numéro Observance. Osana numéro Ademlob. Là, bas directeur, vous saisir Bango. Banque Lambert. La signe à l'Oba bien. Ma pêche Banque Lambert. L'éducation numérique pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo est le thème qui a clôturé le mois de la femme du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Une centaine de personnels féminins et de personnels civils du ministère de la Défense nationale ont été capacités ce mardi 28 mars 2023 sur l'utilisation des outils de nouvelles technologies, de l'image et de la communication. L'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire situé au quartier Mbinza en zone dans la commune de Ngaliema a servi de cadre à ce séminaire. Dans son mot de circonstance, le général-major Kabwanga Kaseu Symphorose, secrétaire général aux anciens combattants, a rappelé le thème choisi au niveau national sur lequel ont tourné tous les exposés des intervenants à ce séminaire. Elle a également invité le personnel militaire et civil du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants à s'adonner à l'éducation du numérique pour briser l'écart existant entre l'homme et la femme avant de déclarer clos ce séminaire. Plusieurs intervenants ont exposé sur les divers aspects dans le domaine du numérique, à l'occurrence de la colonel Nkulu Kabonga Agnès, point focal Chijar du ministère de la Défense nationale. Elle a remercié les participants pour leur présence à ses collègues. Au nom de Mme Kiloubou Koutouna Séraphine, l'ancienne vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants empêchés, elle a été représentée par Mme Bibi, qui a dans son mot de clôture du dit séminaire demandé aux femmes d'apprendre les outils du numérique afin de relever le défi de l'écart homme-femme. Dans le souci de renforcer la discipline militaire des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa, le bataillon des prévôtés militaires de la 14e région militaire s'en va en guerre contre les vagabondats des hommes en uniforme pendant les heures de service. Ainsi, des patrouilles nocturnes et diurnes sont organisées et des militaires sans autorisation de sortie sont interpellés. Plusieurs récalcitrants ont été interceptés en plein vagabondage dans la commune d'Ngaliema. Ces derniers ont été acheminés à l'état-major du bataillon police militaire. Après audition, ils ont été mis en détention. Le colonel Mouteteke, commandant bataillon de la police militaire, s'inquiète du nombre croissant des militaires en divagation pendant les heures de service à Kinshasa. Il les a appelés ainsi au respect du règlement militaire. Les missions de la PEM, hein, de faire ce qu'on appelle appui PCR. Nous sommes en train d'appuyer la police pour régulariser la circulation. Et aussi, nous sommes en train d'interpeller en même temps les chauffeurs qui ne se conforment pas à ce qu'on appelle le règlement de la route. Donc, tous les chauffeurs doivent respecter le code de la route, qui est un règlement mis à leur charge pour qu'ils respectent. Et vous savez que plusieurs chauffeurs abusent de la route, le véhicule, pour larguer la police nationale. C'est pour cela que nous sommes venus en appui pour essayer de remettre en ordre tout ce qui se passe comme désordre sur la circulation routière. L'avenue Ngouma est une avenue toujours qui pose des problèmes. Nous remarquons que les chauffeurs utilisent toujours ce qu'on appelle deuxième bande. Les chauffeurs, ils ont des défauts de charge, ils laissent les portières ouvertes, les clients sont insécurisés, ça importe peu. C'est notre mission de routine, interpeller les militaires qui vagabondent, qui n'ont pas de documents
sur eux les autorisations de déplacement, nous les interpellons. En collaboration avec la police nationale congolaise, le commandant du bataillon de la police militaire et ses éléments ont appuyé la police pour la circulation routière dans certaines artères de la ville province de Kinshasa et sensibilisé les chauffeurs au respect du code de la route. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso.